Yop. Ah ouais. Au mic. Sous les jabs. Ok. De l'intelligence dans leurs bêtises, cous. Ah ouais. Bien, bien ou quoi? Ah ok. Ok. Lex. Pour un gros son. Pour des jaloux. Tous les dimanches, aux alentours de 14h, retrouvez l'actualité de la semaine dans Chez Francis Show. 14h, 22h30, tous les dimanches sur Antenne A ou Canal Plus Afrique, chaîne 342. Retrouvez-moi, je vais vous résumer l'actualité de la semaine comme si vous la viviez vous-même. Merci. Mesdames et messieurs, bon dimanche à vous tous, vous qui nous suivez à travers le monde. Bon dimanche à tous les téléspectateurs du Chez Francis Kakonde Show, où que vous soyez, que vous nous regardiez sur Canal Plus Afrique, chaîne 342, ou que vous nous regardiez sur Antenne A, que vous nous regardiez sur la chaîne YouTube de Zap Congo TV, que vous nous regardiez sur la page Facebook de Zap Congo, ou la page Facebook de la radio Zap Congo FM, ou la radio Zap Congo FM si vous nous écoutez. Soyez les bienvenus. Excellent dimanche à tous et à toutes, vous qui aimez cette émission, vous qui aimez la rétrospective de l'actualité de la semaine. Excellent dimanche à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui dimanche 29 mai 2022. C'est-à-dire c'est la fin du mois de mai. Totikalika na mois de juin pour une émission Oyo Yaché Francis Kakonde Show. Et Totikalika 4 émissions à partir de juin. Bon, calculer 4 émissions avant tout qu'on est en vacances. C'est-à-dire que le 30 juin 2022, chez Francis Kakonde Show, et qu'on est en vacances, les tempé, yako solo la, na bande kon abiso yantenne, ah, yako solo la. Donc voilà, mon ami nous fait appeler ma pote Bandi émission Oyo depuis le 1er septembre 2021. Donc le 30 juin 2022, nous serons en vacances le 30 juin 2022. Mais sauf si événement spécial, il y a tout le mois Boé, spécial et Obima et Ozala. Merci pour la Bandi Gonabiso, Balandarabiso, surtout sur les réseaux sociaux. Je rappelle que chez Francis, beaucoup tango soit na YouTube, beaucoup tiango na Instagram, beaucoup tiango na TikTok, beaucoup tiango na Facebook, beaucoup tiango partout. Le Chez Francis Kakonde Show est partout pour vous. Et oui, vous êtes chez moi, les bienvenus. Nous sommes dans notre zapping, le zapping des news qui font le buzz sur Internet. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous. Nous commençons toujours cette émission avec le Seigneur et aujourd'hui, oh my God! Oh my God! Oh my God, aujourd'hui, c'est un hommage à la regrettée sœur Marie Misamu, qui était pour moi l'une des meilleures showgirls. Showgirl, Nguelo Babato, Basala Chobia, c'était l'une des meilleures à son époque, l'une des meilleures tout court. Sa fille Ruth a hérité un tout petit peu de son talent par rapport à cela, mais il faut travailler sous ce délai. En attendant, la sœur Marie, Tozongeline, n'a cadre à nostalgie à dimanche à Lélo, avant de rentrer dans notre zapping, la actualité zapping. Ébélé. Je profite de cette émission-ci pour vous annoncer la semaine prochaine. Nous aurons beaucoup d'interviews. Si tout va bien, nous aurons Gaz Maouete qui a sorti son album Puzzle. Nous l'aurons comme en interview la semaine prochaine. Nous aurons, si tout va bien, l'artiste que vous connaissez sous le nom de Flamme Kapaya. Il s'appelle aujourd'hui le frère Moini Kapaya. Donc, bon, vous aurez la semaine prochaine. Sans oublier Florent Ibengue, le coach, notre ancien coach des Léopards, qui est aujourd'hui champion d'Afrique. Mais nous allons en reparler dans quelques minutes. Donc, si tout va bien, la semaine prochaine, nous aurons une interview. Mais Lélo. Toza, la spéciale zapping, bah, image tout de la semaine. Mais on commence toujours avec le Seigneur, je disais donc la sœur Marie Misamu et la sœur Ali dans Ozawa Api. Un petit peu de nostalgie, ça l'Arabie sont bien. On regarde ça tout de suite. Mabuta ezako ganga e wapi o nzambo yo wapi zambela elia o zamba balama o papa ya bana bitike o Mobali abave. Ay, zambe nangayo.
motema e Bon dimanche à vous tous qui avez suivi cette émission-ci dans la rubrique Oh My God. C'est la rubrique Oh My God, la rubrique dans laquelle nous souhaitons nous commencer l'émission dans les mains du Seigneur. C'était la sœur Feu la regrettée, sœur Marie Missam avec la sœur Alice Ali. Très belle chanson en tout cas, Wapio, c'est un petit bout moins nostalgique. Dédicace spéciale à Mido Magloire, monsieur Mido Magloire à l'Andabiso depuis Lubumbashi, qui salue sa madame à Kinshasa, Rachel Mpouawini Mido. En tout cas, merci là-bas téléspectateurs d'Andabiso, merci Mido Magloire à Lubumbashi avec madame Rachel à Kinshasa, merci de nous suivre. Ça nous fait plaisir de savoir qu'on est suivi à Hong Kong, qu'on est suivi au Japon, qu'on est suivi partout, en tout cas dans le monde, aux États-Unis, au Canada, en tout cas tous ceux qui ont le bouquet de Canal Plus Afrique, chaîne 342, tous ceux qui ont Antenna à travers bas décodeur. En Belgique, par exemple, nous avons un décodeur. La Belgique, nous avons un décodeur et ça nous a vraiment bien. Et ça, là, on a bien. Merci en tout cas pour la manière. On a mis surtout au Balandaka, émission Oyo. Maintenant, votre rubrique préférée, celle qui vous fait remonter le temps, c'est Tepa Z. Tepa Z, c'est la machine à remonter dans le temps. Cette rubrique, je la dédicace à Madame Kiki Mungul, qui organise aussi un événement. Kiki Mungul Diaka, qui organise un événement. Kéran, bon dimanche à toi. Qui aurait un événement le 30 juin prochain, et à mon pote Jafar Moulassa de Biwan. Jafar Moulassa, m'est allé là, nostalgie, oldies, classique, Neti Mastananga, Arsène Kamango, Neti Mouchunanga, Mike Joanne, donc la grande équipe, Claude Tumba, là-bas à Biwan aussi, donc Bande Konabi, sous toi, famille. Allez, on regarde tout de suite la rubrique T'es pas Z. De retour pour le Tepa Z, c'est une rubrique que vous aimez beaucoup, dans laquelle nous vous passons les tubes de l'époque. Aujourd'hui, nous avons choisi, c'est vieux. À l'époque, il y avait début à studio, il y a RTNC2, Maman Lucie et Ying. On a retrouvé ça sur Facebook, pour tous les abonnés de ma page, tout Laura Boyer. Je crois que ça s'appelle Les Amis de la Rumba, ou une page Facebook qui ne remet que des trucs nostalgiques. On regarde ça tout de suite pour quelques minutes. Moi, nostalgie, ça l'abîme bien. C'est pas toujours que Botel a les mêmes chansons sur Internet. Donc, juste après, je vous donnerai le sommaire et émission à dimanche à Bisson à Lélo. La sœur Lucie et Inga, c'est maintenant. Hey. Ndumba somba jijida amba mwana mama ayeko bongela ngae pona mbongo nangae na somba jijida amba mwana mama ayeko bongela ngae pona mbongo nangae na somba jijida eko denda na loketo jijida eko denda na loketo jijida amba mwana mama ayeko bongela ngae pona mbongo nangae na somba jijida amba mwana Ayeko bonde langaye, pona mbongo langaye na somba jigida. Ayeko bonde langaye, pona mbongo nangaye na somba jigida. Mamba mwana tata. Ayeko bonde langaye, pona mbongo nangaye na somba jigida. Rubrique ma mignon préférée, le zapping.
La chanson que vous venez de voir, pour ceux qui ne connaissent pas, bon dimanche à vous qui nous regardez. Nous sommes aujourd'hui dimanche 29 mai 2022. C'est Maman Lucie Eyenga. Tangoba Wendo. Narozongelango, on verra d'ici la fin de l'émission. Sinon, te retiens en haut. Bientôt, nous allons remettre des archives, des vieilles chansons. Comme ça, il faut, comme je dis en français, il faut être cultivé pour pouvoir évoluer. Moussa Oyoto, Salamo, depuis bientôt 25 ans, ça fait 24 ans, on a eu le temps d'étudier, d'apprendre, de nous instruire et tout ce qui va avec. Nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos à mettre dans le zapping. Voilà pourquoi je me suis permis d'interrompre vidéo. Il y a Sœur Nabisso, il y a Maman Nabisso, Maman Lucie et Inga. Nous allons maintenant évoluer un tout petit peu dans le zapping des images qui font le buzz sur Internet. Je vais vous parler de ce dont on va discuter aujourd'hui. Nous allons commencer tout d'abord par la petite polémique qu'il y avait pour la désignation d'un juge auprès de la Cour suprême. Il y a eu une petite bagarre entre le staff du président Mbosso du Parlement et le staff de M. Bahati, qui est le président du Sénat. Le président a tranché, il va envoyer lui-même son délégué qui sera là-bas pour épargner les guerres des chefs qu'il y avait entre M. Mbosso et Bahati. Donc, nous allons avoir un petit résumé de ce qui s'est passé avec notre confrère Yves Abdallah. Nous allons parler de Laurence Okoko. Laurence Okoko veut le retour des concerts en Europe. Eh oui, Laurence Okoko a décidé, il veut que les concerts reviennent. Ils ont un apoto. Bon, mon appé, Papi Volcan, commentez-moi à Paris, azo contredire, Boketchu premier, au bazo boya ke bala nabiso, jeune frère nabiso, ta MPR, le groupe MPR habite à Napoto. Bon, on a tout ça dans cette émission-ci. Nous allons en parler. Nous allons aussi parler de la petite guéguerre qui est entre le pasteur de Nilesi et M. Delis et Sanga. Je ne sais même pas pourquoi, comment les deux-là ont réussi à arriver à se disputer. Nous allons parler de ça. Nous parlerons bien sûr de Wingé, qui était en répétition. Ils ont trouvé quelqu'un qui va mettre en streaming leurs vidéos, le live du concert en question. Ça sera en streaming. Mais bon, eux-mêmes, ils vont en parler parce que nous ne sommes pas payés pour faire ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui est payé pour être directeur de communication. Mais nous, ils sont en tant que fans, en tant que journalistes de Wingé. Il y en a tout l'obélango. Mais nous ne nous entrerons pas dans les détails. Il y a Moussala Nae Obapona. Il y a une petite polémique entre Lenny Bidens, Oboyebi, le fils de Seck Bidens, qui est un producteur aujourd'hui arrangeur. Il fait partie de ceux qui étaient au départ avec Fabregas, Basala, Babylon, Nabango, Arrangement, Nabango à l'époque. Je ne sais pas s'il est cofondateur du groupe Villanova, je ne sais pas. En tout cas, Isa Bango, Nabango. Mais Lenny Bidens, aujourd'hui, travaille avec Héritier Ouattara. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, Fabregas est en guerre avec Ouattara. Et il y a une rumeur qui circule sur Internet que Lenny Bidens veut mettre les chansons des artistes qui ont quitté Villanova, Obakima, Kinapoto, Basala, Banze, Monabango. Single Nabango, en attendant la chaîne YouTube, pour y mettre dans la contrôle, il y a chaîne YouTube et il y a Villanova. Et créer ma polémique, pour l'obélan dans quelques minutes. On a au balan, d'habitude, à 14h. Ce bomouni, sujet, on a zo le barois, les lotés, d'ici 14h, botalabiso. Rendez-vous ce soir, ce dimanche soir, donc à l'éloné, botalabiso, on a 22h30 sur Antenna. On a 22h30 sur Antenna. Bon, on a mon bimba, émission. D'ici 15 minutes, émission version Oyoizo Katana, mais d'ici ce soir 22h30, pour mon amour, mon bimba. Sinon, vous allez sur la chaîne YouTube de Zap Congo TV, pour mon amour, laï, ou vous allez facilement aussi sur les pages Facebook de Zap Congo, pour mon émission. Tobé Tamasolo, Asai Sai Alapoto, Kofi Olomide, le fameux Kofi Olomide, Biwela, Wela, Weliste, Naïpte Soki, bon, peut-être qu'on a koye, ça arrive, au cause de la maillée, l'olobara français, aux apés cultivés, mais ils l'ont souhaité. L'affaire du Walk of Fame, étoile d'Hollywood, et ça n'est pas gaille la milieu de semaine. Et ça n'est donné des bagailles, pour le belamo le lot. Et puis, Kofi Olomide a continué à conflit avec un confrère à moi qui s'appelle Jonathan Bilari. Car à Makambo, tu reproches à Kaye, il y en a un à Boya Koyambaye, chaque fois qu'il faut, non. Là, c'est Nayambaye, Nayamba Kofi 26 fois. Donc, je ne vois pas l'intérêt du sous Nayambaye, Togana. Na Luka, Luka, moi, il y avait vieux, bon. Moi, Bouddha, il est Kofi sans moi, je serai aussi Francis Lacondé sans lui. Tobé Tamasolo, naïe, dans quelques minutes, avec l'affaire de l'étoile sur Hollywood, vraiment, pardon. Il y a aussi les députés qui se plaignent du gaspillage d'argent par rapport à eux, les câbles de la SNEL, la guerre avec le Rwanda, bah, musiciens, oh, et bandit, pour guerre et bandit, sérieusement, bah, musiciens, culture, pays, bah, zongi. Il y a la France qui est de plus en plus détestée, c'est Léo Kram qui va parler de l'affaire Fally et Emilia, soi-disant. Bethany Makofi, journaliste Akimi Kofi Wana, Akutani Nakusa na Paris, Bethany Makofi par Kusa.
Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. On va avoir un extrait d'une interview de M. Ibenge. Ferré a été choisi par Facebook pour un petit reportage. Il n'ose bien jouer au Nigeria, il y a un compte, il y a YouTube. Bref, tout ça, bon, Monango, sans oublier M. Bahati, qui est député, le sénateur, Wololi, Wololié, Fingi Fingi, sur le Parlement. Pourquoi broyer Bango? Et Sango qui répond enfin à des journalistes qui l'attaquaient. Tout ça, ça va être dans cette émission-ci. Et j'espère que vous êtes nombreux à nous regarder. Nous sommes déjà à 17 minutes de notre émission. Nous allons commencer le zapping, tout le reste suivra bien sûr. Nous allons commencer notre zapping du dimanche d'aujourd'hui. Ouh, j'espère que vous en nombreux beau talabisso. Nous allons tout d'abord commencer avec cette petite affaire. Oyo, Batebele Bazo Beta, la désignation d'un juge à la Cour suprême. Boye Barake, ba désignation à juge, à gouverneur, et ça, les commandements solo entre différentes composantes, il y a Union Sacrée. Et il se fait que, voilà, l'Union Sacrée, fallait choisir entre Bazo Wills, parce que c'est un poste important, juge à la Cour suprême. C'est vraiment primordial. C'est la Cour la plus haute institution de notre pays. Donc, fallait Bapona bien. Le président, chef de la majorité, a laissé qu'il va décider Bamonabango. Donc, Bazo Wills entre les partisans du président Bosso, qui est président du Parlement, et ceux de M. Bahati, qui est du professeur Bahati, pardon, qui est président du Sénat. Voilà, des explications, il y a notre ami Yves Abdallah, a expliqué Bissot, en quoi consistait cette espèce de débat entre Batabati et Batamboso. Na nenga ki kongole mboso na Bahati baswani. Baswani li nini. Après tirage au sort au Salamaki na cour constitutionnelle. Bobi que il y a aussi un juge qui a été décédé, il faut te procéder d'un remplacement comme le prévoit les textes de la République. Trois doivent venir du Parlement. Ceux qui t'ont révisité passé, à l'époque où Minak Ouazaki président de l'Assemblée, ou même Minak l'honorable, Papa Léon Kengouadon au président du Sénat, Sénat Zalaka Kotinda Moko, Assemblée nationale à Tindimi Balé, et au nom du Congrès, au nom du Parlement, un courrier est envoyé avec portant les signatures des deux présidents des deux chambres. Parce que, Tozana, régime, il y a un parlement bicaméral. Donc, pour rien au monde, l'Assemblée nationale a le droit de se comporter comme si elle était elle seule, la seule chambre. La chambre sœur existe, c'est même pour cette raison-là que les textes de loi, ou les propositions de loi, ou les projets de loi, sont en première lecture à la chambre basse et en seconde lecture à la chambre haute. Même si quelqu'un va me brandir, la règle qui dit que ce qui les deux chambres va adopter en des termes différents et que va qu'une commission mixte parlementaire et que va y avoir katé, c'est la voix de l'Assemblée qui prime. Mais dans ces cas d'espèce, il y a choix à la juge, il n'en est pas le cas. Donc, nous pensons, après avoir lu le courrier Nyonso, par loi, par règlement intérieur, parce que ngai na zala na salle, jour règlement, il y a congrès au salama. Moi, j'étais dans la salle. Tant que moi, ma présence au Sénat, Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. Moi, j'étais là. Nagui na ma salle. Jour bazo adopté règlement et à congrès. Mais maintenant que Bahati, au nom de la chambre haute, transmette le nom du juge qui a été choisi à Christophe Mbosonko Diapwanga, de mon point de vue et de ce que je connais de la petite matière au Totangi, naba texte nyonso, il n'y a aucune violation. Ça, c'est le point de vue de M. Yves Abdallah, a expliqué Bissot. Mais guerre et bimi entre ma partisan, il y a Papa Mbosso, donc les gens du Parlement, et c'est ceux du Sénat. Ce qui fait que avant-hier, fallait désigner l'envoyé, celui qui devait représenter justement les chambres comme juge à la Cour suprême. Mais tellement de gars des ordres Blorbo et bimi, ça a été ajourné. M. Bahati a refusé de désigner ce jour-là le représentant à la Cour. Écoutez, ne ma député va fâcher, na katasal, tout ma sénateur. Bon, na bino monko. Je ne dis rien, je n'ajoute rien. Écoutez vous-même, Bobi Misasson. Bon, yo kabia, bon, tiens, bateau, na bino très bien. Thank you.
Pendant ce temps-là, le peuple congolais souffre, galère, n'a toujours pas tout ça. Le chef de l'État, plein de problèmes, doit régler plein de choses dans le pays et nous sommes en train d'entrer en guerre avec le Rwanda, nos voisins. Voilà ce qui se passe, que nos papas y font au Parlement et au Sénat. Affaire à suivre. On espère d'ici la semaine prochaine, Barroso a terrain d'entendre parce que pour pas désigner juge Joana la Cour suprême, même si pour moi, je ne pense pas que ce soit une urgence. Voilà. Nous allons un peu avancer parce qu'il nous reste quelques minutes avant la fin de la première partie. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, au Bozo l'année émission Oyo, et sa première partie, il y a émission d'Abisso. Il est carré à 14h pendant 30 minutes. Ensuite, après, il est carré à 22h30 en entier. Bon, mon nom, Mobimba en entier. Donc, en attendant, Tozo évoluer. C'est de plus en plus valide, ça évolue. Et il se fait que il s'appelle Laurent Sokoko, le monsieur a décidé de faire une déclaration. Moi, j'ai rien dit. Moi, je ne suis que témoin à travers notre zapping. Suivez ce que dit Laurent Sokoko et on se retrouve juste après. C'est moi, monsieur Laurent Sokoko. Et là, il a continué à combat jour pour jour, ça fait aujourd'hui à bientôt 4 ans. Pour Kechou, premier, au Batoubaye, Iwayambo, on a eu tous à ma frère, d'abord, tous à ma ndeko. Tango. To sentaki ki trahison ekoti na koma na koto na approche Boketchu. Tant na approche Boketchu, na bito mineliti. Toko tango sali tu ona boye. Neti lelo tu sa na katia bitumba ona. Mais moi personnellement, na zali donateur ya peuple Mokonzi. Nous on a pas manifesté les un poteau, musicien pour bête à tête, tout ça, c'est moi, ensemble avec le peuple Mokonzi. Mais, on a eu pour analyser et l'homme Moko. Et tant que analyste, moi je suis opérateur économique, qui n'a rien à voir avec la politique. Je suis opérateur économique depuis 99 qui a créé l'entreprise dans l'air pétrole. Dans un opérateur économique et membre de la Chambre du commerce. Et tout privé de ma musicien musique. Mais la souris n'a pas coulé tout dans l'aïe, à en Angola, au Bazala, qui n'a pas qu'il n'a pas Congo, tout ça qu'on sort, n'a pas coupé sa bango raison. Raison n'a pas coupé sa bango. Tant qu'un pays n'a pas qu'il Tango en Bangolais, dans qui m'a dit papa n'a vu son, maman n'a vu son, maquina est dans Congo. Tango à Kumikuna, objectif est là qui moko, libération de l'Angola. Bah, il faut créer Oumpa. Et tant qu'on va créer Oumpa, bah, monsieur Bazara qui n'a qu'à qui n'a qu'à vie, papa n'a vu son, bah, d'Olivera, bah, Koulutu dans la Samangwana, bah, ex-président angolais, Jean-Doua du Santos, avec guitariste Zombeta. Ba priva ki bango mizikite. Mais bazaki na maki, mi ba priva la mizikite. Na yon kwa analise, ta vi non. Objectif na biso. En résumé, azo senga, azo linga ke mizik e zon anapoto. Le groupe MPR, ou boye bi, les rappeurs du groupe MPR, il faut normalement abet anapoto, normalement anamwa de jen oyoto zo banda bakalate. Mais les combattants, vous voyez, Bouketu, tout ça, contre le fait que ma bêta n'a pas tout. Mais les combattants à Paris, dont Papi Volcan, ont tout le monde à Sikoyo, à Zapour. Bolanda Sikoyo, au Balobi, avant tout sur sa première partie, émission d'Abisso de Lune à 14h. Bah, un père! Bolanda Bouketu, Bouketu, le chef, il y a des combattants. Mais le Biba Beta, on est là, on a la parole contraire. Kasi Bouketu, au Pex, c'est ça, Kasi. Tu as dit que le Biba, un père, Bouketu, il y a. Maman, je vous ai dit que vous avez un père qui a été un peu de temps. Tu es un cave. Un père, message à mon père. Qui est la bino? On est ensemble. Nous sommes en train de faire Paris. Si tu es un chef, il y a Paris. C'est sérieux. Avant la place à ça,
Amen, la bambumane de gonne au don le bio amenagi ba viagra un père. Oh, bazali bongo, ko posséder tant au sunangambo na bango, ko projeter, ko prester à Wanakati à France, na mois à juillet, mais bazo kota li sabiso déjà que bozali kote le mela pe ba. Banana on bate le meli bango. Mande ko ya un père. Nana tele meli bango. Maman ba tout justement. Aboni bino na gisha sa boko sa boke tu a chef ba combattant. Et là, vous avez un combattant. Mais ça, vous avez un combattant. 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 Vous Pourquoi tu peux faire ça à la banzé, moi, bon? Mais Dédé, pourquoi tu es en Belgique? Pourquoi tu es en Paris? Le roi Yacha Ramakele, les mingi na ba YouTube, bokote, bokote, bino, bo soirée chef na biso. Oh. Mais en soyez, mon roi Yébi, qui oiseau loba, pourquoi tu es en chef na ngati? Bien. Bino Mbolandi, aucun commentaire de notre part. La musique sera-t-elle de retour bientôt en Europe? Affaire à suivre. MPR sera au Babingao, échelon de mesure. Nous nous retrouvons à 22h30 pour ceux qui seront avec nous tous les dimanches à 14h et à 22h30. Nous sommes là pour vous résumer l'actualité de la semaine. Bon dimanche, Nabako Basokinabiso Awa. Nous, on va continuer. Alors, pour souffler un tout petit peu, pour passer entre les deux. Nous allons écouter cette très belle chanson de mon frère qui a joué hier. Il s'appelle Jacques Chimakinda. Il fait de la très bonne musique. Nous, on l'aime bien. Donc, on va se quitter avec ça et on se retrouvera bientôt pour la deuxième partie de notre émission. Bana babe na kasai, jini mianda ya kunutoela, jiba kai kwetu, kato tani ni babenda, baka laba kubama ni kwa benda, mbulu kwa muchi, jiba kai kwenwe, kasai, kasai wabalena, malanji wa nshinge, ye kila kila we. Mike, sous les jabs, okay. De l'intelligence dans leurs bêtises pousses. Ah ouais, bien bien ou quoi? Ok, Lex, pour un gros son, pour des jaloux. Tous les dimanches, aux alentours de 14h, retrouvez l'actualité de la semaine dans Chez Francis Show. 14h, 22h30, tous les dimanches sur Antenne A ou Canal Plus Afrique, chaîne 342. Retrouvez-moi, je vais vous résumer l'actualité de la semaine comme si vous la viviez vous-même. Merci. De retour pour ceux qui nous suivent, soyez les bienvenus. Pour ceux qui nous rejoignent aussi aujourd'hui à 22h30 pour l'intégralité de votre émission, de votre zapping du dimanche. Bon dimanche à vous tous, Bande Konanga. Merci à toute la grande équipe technique d'Antenne A, à celle de Canal Plus Afrique, chaîne 342, ainsi que celle de la radio Zap Congo, sans oublier la chaîne YouTube Zap Congo TV. Nous continuons avec le résumé de l'actualité de la semaine. Le chef d'état-major de l'armée, pour vous dire, c'est devenu tellement sérieux, est à Goma. Regarde tout de suite ce qui se passe. Le chef d'état-major de l'armée se trouve à Goma. Voilà. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Il se passe que pour la Mandingoto éviter, il n'y a même plus besoin de se le cacher. Ça fait une vingtaine d'années que ça dure. Je le dis, hein, j'affirme ce que je dis et je le pense. Ça fait une vingtaine d'années que sous couvert à démocratie, la Ndenga FDLA, Kanaba, Ed, Nabango, voisin Abisso, Bazan, la vision, Bazan, la visée,
la ba richesse ya est na biso ba na viser la richesse la est na biso et ba ngi ba profiter na sima ba rebelle ba créer ba soi-disant rebelle ba blora boyé pour que ba envahir ba preuve ezali les lots pour comprendre que armée ya ba voisin na biso bazan na posa ya mboka na biso donc ba koti na ba côté ba est ya ngwana makamoto ezoleka déjà na rapport mapping au docteur Mukwege Tambola à travers le monde à défendre Rango, mais vis-à-vis de la diplomatie, na ba relation entre bon voisinage, Tovansaï Makambo, Balalisaï Makambo, l'ancien président sous son gouvernement Kabila, et aujourd'hui le nouveau président, le président actuel, M. Tshisekedi, Mekai Kosola, Tovansa, de bonne foi. Benga écoute mon frère, parce que le président actuel voulait absolument que Makambo, il voulait absolument que Dembo ait un assez, et voilà. Mais il se fait que ma voisin Abisso va jouer à Playté. Ma voisin Abisso va jouer à Playté. Donc, depuis Kala, Kanara Abisso, voilà. L'armée congolaise a prouvé et a montré aujourd'hui, à travers ma remontade, on a gagné, on a combattre, comment on appelle ça, armée étranger, rebelle, comment on les appelle des groupes rebelles bazo l'axabiso qui effectivement que bandekoana bazo ça la tout pour déstabiliser mboka na biso. Donc il y a un vrai ça ne va pas qui se passe na niveau mboka na biso du côté de l'est. Donc voici les images, voilà, voici des images tout d'abord du ministre des Affaires étrangères, déclaration à Sali boyo kabino moko où il s'attaque carrément et directement na ba rwandais. Le Rwanda avance le Rwanda, je dis sans hésitation, a attaqué les gens de Rwanda. C'est un de ces gens de l'unité congolaise. Comment, aujourd'hui, la journée où nous célébrons la naissance de notre armée, où nous devons réfléchir en jetant un regard sur le passé et sur notre avenir, on peut faire comme si c'est rien de ce passé. Que veut dire le M23, soutenu par le Rwanda, a attaqué le groupe de l'opération d'Amérique de la MONUSCO à Bastia. Quel défi! C'est le sommet de notre puissance. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous ne pouvons pas ne rien dire par rapport à ce travail, à cette réflexion profonde sur la déstabilisation de l'Afrique, et c'est très important. La RDC nous va vous dire que demain ou après-demain, on fera une déclaration politique parce que nous avons vu que les déclarations politiques sont faites devant les chefs d'État. Ils ont un problème. J'apprends à vous. Mais je voulais qu'on prenne conscience que le terrorisme, ce n'est pas, une violence idéologique. Bilomon Bomoni, voilà. Le gouvernement a pris des décisions par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à ce que les Rwandais font, et tout en allant sous décision au gouvernement. Les effets militaires retrouvés sur place, les images détenues par nos forces armées, ainsi que les témoignages recueillis auprès de nos populations, démontrent à suffisance que le M23 est soutenu par l'armée rwandaise. Cette attitude récidiviste vise clairement à torpiller nos efforts de pacification engagés dans le cadre du processus de Nairobi. En conséquence, le Conseil supérieur de la défense tire les conclusions ci-après. 1. Le M23 est considéré comme un mouvement terroriste. Il sera désormais traité comme tel et de ce fait, il est exclu du processus des discussions de Nairobi. 2. Une mise en garde est faite au gouvernement rwandais, dont l'attitude et des natures a perturbé le processus de paix qui arrive pratiquement à son terme avec les discussions de Nairobi où tous les groupes armés, à l'exception du M23, se sont engagés sur la voie de la paix. 3. Comme mesure conservatoire, il a été décidé la suspension immédiate des vols de la compagnie d'aviation rwandaise à destination de la République démocratique du Congo. 4. Il a été également décidé de la convocation de l'ambassadeur du Rwanda accrédité en République démocratique du Congo pour lui notifier la désapprobation totale du gouvernement congolais. Voilà, ce sont des décisions très fortes c'est la preuve vraiment que Rwandais, ça l'a tout pour Bakanga Bakotewana.
Voici encore d'autres preuves qu'on vous montre maintenant. Vous êtes bien le bienvenu, vous êtes dans le chef Francis Show de ce 29 mai 2022, dernière émission du mois de mai 2022. Il ne restera plus que les 4, il y a mois de juin, avant aucune des vacances. Pour l'un d'assurer quelques preuves que nous avons toujours par rapport au fait que les Rwandais sont réellement derrière le M23. La provenance était Mugongo-Manga et on se dirigeait vers Mokik. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au moment où on cheminait vers Mokik, arrivé à la hauteur de Guyag, alors on a été, bien sûr, après un départ, une foule de la population. La population générale nous a conduits jusqu'au niveau de la brigade Rukivag. Je l'ai dit, on se dirigeait vers Mokike. On cherchait bien sûr à rejoindre les autres. Alors les autres, ce sont d'autres qui avaient les mêmes ambitions que nous. Alors au niveau du groupe, on était à 4, je crois, si j'ai bonne mémoire, mais je connaissais personnellement celui-ci. Alors, je ne sais pas encore. Alors, ils ont pris le large. Sotolobi Otolobak. Voilà. À un moment donné, toi, Mibali, à un moment donné, je suis quelqu'un de la paix. Parce qu'il s'est passé quelque chose cette semaine-ci, avant que le M. Muyaya fasse la déclaration, le gouvernement vraiment affirme que c'est les Rwandais, qu'on coupe le Rwandais et tout ce que vous voulez. Il y avait un chef de la police qui a mobilisé le quartier, la population, qu'on a à Goma. Vous voyez, c'est vraiment que si on veut défendre Ndak, nous défendons Ndak, soit Mbeli, soit Mzete, soit Nyosutu pour défendre Ndak, contre Munguna. À un moment donné, ça fait 20 ans que ça dure. À un moment donné, toi, Nibal. Donc, avant qu'il y ait la paix, la démocratie, la blanc à boye, Tolumbana Solamapeka. Tolumbana Solamapeka. C'est-à-dire que, ba voisin, abisoana, ba comprendre que toi, Nibal. To mitika. Total, il y a eu plus de 8 millions de morts. Total, la Missou. Oui, Boïda, président Kabila, père, Aya, Naba FDL, Boba Bengana, feu maréchal Mobutu. Mais Bozo n'est pas Nabino, c'est fini. C'est fini. Donc, Bino Boka n'est la Est en Boka pour faire souffrir Bande Monabiso. To Vanda Kimia, to le bailo côté sous le président Kabila, sous le président Tshisekedi Opé, a Zubino Réjanti, a Bini président Nabino Ndegonae, alors qu'il y a sous-sol, Nassima, Bobete Bambeli. Non, non, toi, Mibali. Tout le monde a son appel à Betina Likofi, la zone sur Likofi. Après, l'Union européenne, États-Unis, tout ce que vous voulez, s'il fait fin. Pour les autres, c'est que ça va. L'Union européenne est à la paix autour de la solution. Bino Bolouki, solution entre Russie et Ukraine, alors que vous allez soutenir l'Ukraine, Botina Bamba arme, l'Union européenne, les États-Unis, je ne sais quoi, au fond de la Monorwana. Tu Botika Biso, soit Betty Biso, soit Betty Biso. On ne peut pas continuer à laisser que nos frères et nos sœurs soient continuellement ou subissent continuellement massacre, viol, c'est anormal. En plus, le pire, c'est que je me rappelle, dans la Monaki Info, je m'étais dit que Boyo, ils ont pour côte en Est. Oui, mais sur tes vidéos, mais Bimara, que les Anglais, la Grande-Bretagne, ils signaient à Corna Rwanda. Rwanda qui n'est pas à Brazzaville, il n'est pas de voisin à Brazza, pour pas signer, pour pas avoir un terrain, pour pas avoir réfugié en Angleterre. Donc, en Est, il y a tellement d'abolites, ma voisin va quand même. Pourquoi? Pour pas être réfugié, pour pas lier l'art et l'Angleterre. Alors que le nombre de traversées illégales de la Manche a triplé en 2021, le Royaume-Uni fait une annonce choc. Toute personne entrant illégalement au Royaume-Uni, ainsi que celle arrivée illégalement depuis le 1er janvier, peuvent désormais être relocalisées au Rwanda. Selon Boris Johnson, ce petit pays d'Afrique de l'Est pourra accueillir des dizaines de milliers de personnes dans les années à venir. Le Royaume-Uni et le Rwanda ont signé un nouveau partenariat conjoint en matière de migration. Dans le cadre de cet accord révolutionnaire, le Royaume-Uni fait un investissement substantiel dans le développement économique du Rwanda. Ceux qui s'y installent recevront le soutien, y compris jusqu'à 5 ans de formation, d'un logement et de soins de santé.
Londres financera le dispositif à hauteur de 120 millions de livres, soit 144 millions d'euros. Sont concernés tous les étrangers entrés illégalement, d'où qu'ils viennent dans le monde, ou presque. Pour des raisons de sécurité, nous préférons ne pas recevoir les personnes de pays voisins, comme la RDC, le Burundi, l'Ouganda ou encore la Tanzanie. Pour ceux qui ne souhaitent pas faire du Rwanda leur nouvelle patrie, un retour dans leur pays d'origine sera facilité. La date de mise en application de l'accord n'a pas été communiquée. Impossible pour le moment de savoir combien de migrants seront redirigés vers le Rwanda. Tandis que le gouvernement britannique présente la mesure comme un moyen efficace de lutte contre les passeurs, opposition et associations de défense des droits de l'homme dénoncent un projet inapplicable et inhumain. L'ONU a exprimé son inquiétude et affirme que le processus est illégal. Ce qui me fait rire, c'est l'ONU a exprimé son inquiétude. Voilà, bah mon mot, boy, bah mot savant, la diplomatie, mais c'est que ça, hein, bah mot savant. Hein. Allez, on va un peu se reposer. Une petite comédie avec le pasteur Lété Akanda. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Il paraîtrait qu'il y a Kana Poto qui s'est fait expulser. Il est rentré à Kinshasa. Bon, on a vu le monde. Ah, dame, na zone lizu na mbogo yo, na mbogo na zwa yivite, na lobi na keno mekalibanda tanto na gozwa. En tout cas, bon, voilà, on avance un tout petit peu, on se détend dans ton outil. Bakanda n'a pas tout à la dengaini ni présence. Tu sais qu'il y a un gouvernement n'a pas remis ma cambango, mais on a un point de vue. On n'incite pas à la guerre, on n'incite pas à la bagarre. Au contraire, il faut trouver toujours des solutions de paix. Et je suis un homme de paix qui aime la paix. Mais à un moment donné, sur mon nom, il y a eu gentil dans mon nom. Oh, président, tu sais qu'il dit. Azaï vraiment gentil na Owana. Vraiment, a bien écouté mon frère. La stade ba yambaye pour l'hommage de papa Étienne. To yambaye to betele maboko. Mais à un moment donné, soyez mon frère Owana. Azo continuer ko tchuba na sima, ko tchuba na sima. To laksana, to lumba na sola un peu. Ba sentir pe que tenez, biso pe to petit de coffee. Félicitations mon frère DC, je suis derrière vous en attendant. Hein? Puis le jeu, docteur Mukwe Galobango on a rapport mapping. Tout le monde a honnêté, on va discuter de yeux à yeux. Donc, toi, Miba, Lupé. Donc, plus de jeu. On avance. Allez, on va regarder maintenant. Il y a une petite polémique entre le pasteur Denis Lessier et le député Denis Sessangra. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, voilà. On commence avec le zapping. On regarde ça maintenant. Ce qui n'a pas respect, n'a pas été fait sur la gorge. Oh! On a le bas sauté. Nandéni! Parce que c'est que yo qui est dans la musique, hein? Parce que c'est en politique, hein? À quoi accepter au PT? Au monde n'a rien ça au mais ce que au monde n'a rien au yo. Ban nous ne m'obéis pas. Ils ont fâché contre ces gens. Toto moki n'a rien à m'occuper. Nuit était le respect que j'ai pour vous. N'agana fou kama. Vous ingé bima au soutien. Egoye Banaka, pourquoi ils sont en guerre, donc Banaka, en tout cas, ça a fait le buzz sur Internet. Nous allons parler maintenant de l'affaire qui a fait le buzz sur Internet, dont tout le monde discute, l'affaire Walk of Fame. N'expliquez bien. En début de semaine, pour la bandeko Balandara, Bissot Balandara chez Francis, c'était sur la chaîne YouTube, c'était en début de semaine, le 25 mai. Artiste Nabino Koffi Olomide. Azala qui n'a pas bah, jeune bah, chroniqueur du net, ou bah, les cas qui, voilà, bah, Azala qui ensemble, qu'on fait à se vanter qu'Azu étoile naïe, c'est tout le monde qui m'a joué, Azu étoile naïe na Walk of Fame Hollywood. Rien que dans l'émission, on a le 25, c'est bon, na YouTube, Yazap, Congo TV. Dans l'émission, le 25, on a moi qui je me suis dit, mais comment, c'est pas que tu manquais, il y a la grandeur naïe, mais comment peut-il avoir une étoile sur le Hollywood Boulevard? Sans cérémonie, sans que Yemoko Ayeba, sans tout ça. Parce que surtout tout à l'heure, en tout cas ceux qui sont cultivés, qui regardent le showbiz américain, qui regardent le showbiz français, tout ce que vous voulez, Toibike, Hollywood Boulevard et Zaranamon à Los Angeles. Et que bah, star, pas toutes. Bah, ça, là, bah, empreinte, ça, bah, on a beaucoup, soit bah, empreinte à Makolo, et qu'il y a une longue procédure à accomplir avant d'arriver à ça. Mais tant Nathalie Vidéo et Amopao avec ses chroniqueurs,
nakamoy nakamoy et nasali to sali enquête au moni que non parce que sobo beti www.worldoffame.com bon mona que effectivement son nom n'est pas repris dessus surtout que lui-même n'est pas au courant pour normalement il a une longue procédure yé mon quoi zala qui au courant na makambwana na soir kaka le 25 wana ba ta maison mère na cadre à 12 kaka pour le contredire vie ba kitisi ko loba loba ya vie na na ma kivanta na e je suis le seul artiste je suis dans le dictionnaire je suis ceci je suis cela tout ce que vous voulez ba kitisi amo ba tie sans carte de gunta pay puis na mona ki ba msusu landani na moni ya mbutale kasu na moni man ki de john na moni ya boy 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 il y a un endroit et loba mac de dit l'international notre archiviste international donc grand prêtre mac de dit à Los Angeles à l'exhibition il y a un endroit il y a un coin là-bas na ba boulevard si vous en avez $20 ou $30 au Pessi Combo Nao, pour quelques secondes, vous avez une fausse plaque ou une photo que vous avez fait d'être. Vous avez une photo pour vous honorer Kofi. Mais vie, la cadre à vitesse. Vie, la cadre à vitesse. A qui que l'on a ébélé, a qui que l'on a vite fait, à cette interview, na journaliste, à la guiwana. Tout le monde a ce qu'il y a Kofi qui s'excuse par rapport à vitesse, n'est mon émo, n'est pas Wilsa et Koloba. Pour après, tu vas c'est qui est Kouelisa. Voilà, on a oublié mon gros. Bon, mais normalement, le bac qui est vitesse, bah, que le couteau n'a rien, il a mis. Le loyo, la Hollywood, une ou une ma maison de cas. Et toi, le monde, qui a un Congo. Mais pour le reste, pour le reste. L'Andrie japonais, soudain au bout du désespoir pour faire l'homilé. On a de la déviation. Lui-même, il l'a dit. Il s'excuse. Vitesse. Moutalikor, ça, c'est la rémission, moi, bien sur Internet, franchement. Bah, Obama, quand Moutalikor, en tant qu'artiste, attention. Période moron, Moutalikor, c'était légal d'un Kofi ou d'un. Non, je blague pas. En Afrique, c'était légal d'un Kofi, d'un Defao, de tout ce que vous voulez. À ça, là, succès dans le côté Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Nailor, Naewana. C'est dommage qu'il n'ait pas continué. Mais Moutalikor, soit attention à Zala Moutou. À Zala, vraiment, un succès en Afrique. Donc, Moutalikor, c'est ça l'émission pour nous faire Walk of Fame. Tout le monde a ce que moi, interview. Moi, analyse à Sali. Et on se retrouve juste après. Zela na tangana no mouke, mouke kaka, au mona, quelques conditions, au Sala Rake, Moutou Azala quand même. Honoré na étoile Loana. Ah bah pour moi, affaire étoile, Hollywood, éclaircissement. Voici les étapes pour avoir une étoile. 1. Acheter un formulaire à 30 000 $. Bah pour moi, bien. Un formulaire qui doit être complété par la star. Rien t'a rempli. Toquer la deuxième point. La commission se réunit chaque année au mois de juin. Commission va se réunir dans le mois de juin. Mois de juin, vous devez découvrir bien aux étoiles. Au moment, troisième point, en juillet, c'est la délibération et les résultats. Juillet. Au moment, alors, 4. Si le formulaire est approuvé, la star doit ajouter $40 000. Ngate mna komiango, na moniango, na réseaux sociaux et puis à Mindele. Cinquième point, la cérémonie est obligatoire. Cérémonie. Sotali même ba image za ba Snoop Doggy Dogg, ba DJ Khalid, ba zawana tant azo zoango, ba tuba yaka, ezalet moi cérémonie. Après avoir tombola ni noire étoile na monani ba rozo même trophée moko boy neti moi symbole moko boy za neti ba disque d'or de ba cadre disque d'or ba pesio yango ke na ona parler siko cérémonie wana star fozala soka za empêcher peut-être ba ko reporter to ako exiger manager na yazala mais obligatoire il faut cérémonie ezala est-ce que cérémonie ave sala magi na noté question mark. Donc, Bowel s'arrête. On va avancer un tout petit peu. Bon, il me reste quelques minutes. Malheureusement, j'ai beaucoup d'images à vous proposer. Ces jours-ci, on assistait ces derniers temps à des attaques en règle contre Sango sur Internet. Il y avait beaucoup de gens qui attaquaient Sango sur Internet. Avant d'arriver à Sango,
Nous allons. Celios Kram commente l'affaire Emilia Efali, soit disant Babetani Makofi, comme je le dis. Naïbik Tek dans la salle de sport, où on a plus le man, Batikara va téléphone, avoir beaucoup en akati, mais comment se dit que Tisiko Mutumotaza na image. Donc, moi, je n'aime pas le blabla. Moi, je suis un saint Thomas. À part Nzambe, c'est la seule chose que je crois sans avoir vu. Le reste, oh, Babunaki, oh, oh. S'il n'y a pas d'image, je ne crois pas. Je ne crois pas que Fali niveau n'ait Abundana vienne à Emilia. Tout que vienne à Emilia, malgré que ma conflit entre Bango, a quitté le niveau que Abundana petit n'ait na âge Fali. Non, 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 pas ça, pas ça. Mais bon, pour l'Andasiko, c'est le haut point de vue à Pessi par rapport à Ferwan. Il ne peut pas, Autonika, Emilia Lias, Kuba, na Pullman, na Salajim. Salajim, Wapi. Na Pullman. Mais fais rigoler à la salle à gym dans la gouvernement. C'est pour ça que la salle à gym, pour ne pas être boba pomba. Et boba pomba. Moutambongo, millionnaire, va les garabats. Face à la salle à gym, dans la gouvernement, il y a des gars qui ont été bien bas à Oloun. À la grotte, n'a pas allé, à la boîte, n'a pas allé. Et voilà. Déjà, ils ont une histoire, Moko, Badouali, ma côte, une histoire, il y a Wenge. Wenge a arrêté le temps. Il y aurait été sans hôtel La Concorde. Le roi de la forêt a télémi. A télémi. Aouya. Ben Koka. Ou bien Kara. L'obiné, ni cousin, il y aura tout ça l'émission. Moi, ma vie, je suis sous oiseau sur la bienne. Ah, bah, la pote. Bakanda. Bakanda et Ali. Bakanda et Ali. Bakande Ali. Et voilà. Maman Kamwana Nyoso, ou Babundi Banin, tout ça, c'est une histoire, état d'esprit, dynastie, Wenge. Et voilà. Mais est-ce que Wenge Emilia? No comment, no comment. On avance maintenant sûrement vers la fin de cette émission-ci. YouTube, et pour Naki Inosbi, pour habiter la Nigeria. Facebook, ou Babenga Meta, et sa ligne documentaire sur Ferré. Voilà. Ensuite, tout ça, tout de suite, et on se retrouve juste après, tout l'année, aussi curieux. Tout d'abord, Inosbi au Nigeria, grâce à YouTube. Ensuite, Ferré, reportage Basali par Meta. All the way from the DRC, Inosbi! Ah. What's up, Lagos? How you doing? Osakino logote, otokino kutute, na pete kaka, leka, leka, yo beba pesa ya, yo beba pesa ya, yo pata mutula. L'invité de ce week-end est l'un des musiciens congolais les plus écoutés d'Afrique. Avec sa voix d'or, il mène tambour battant une carrière de plus en plus riche et se classe parmi les artistes les plus influents de son pays. Ferré Golal. Vous retrouverez ça sur Internet, dans les sites de Ferré, toutes ces histoires-là. Je ne suis pas payé pour ça, mais je voulais vous féliciter en tout cas les deux artistes. Inosbi qui a été choisi par YouTube, il est allé au Nigeria pour prester à Salimon Concert Naikuna. Félicitations. Sans oublier Ferré qui a été choisi par Meta pour ce petit reportage, ce petit documentaire. Bon, qui n'a pas Jnaé, tu n'as pas un journaliste au bazar payé par Yé, bon, qui n'a pas ou bien Picasso Mbaya, bon, mon amour, mon bimba, dans le niveau 1. Il y a une petite guerre qui existe. Entre Bata Presse, certains membres de la presse contre Sango. Et il se fait que Sango a répondre, mais avant à répondre, dans Relaxabino, Image, Moko, Oyo, Sango, voilà. Monsieur Indio Marie Azo, pour défendre un déconné Yves Mbouya. C'est même parce que tu as Image à Yves Mbouya, tout l'annonce, c'est quoi. Mieux vaut que je me taise, Bino Mombolanda. Monsieur India Omari, face à la caméra. Journaliste congolais le plus médiocre actuellement, Ezana. Bon, Ezana est infirmier. Hein? Ezana est infirmier. Nabil est journaliste le plus médiocre. Mais c'est Ezana infirmier.
Ils ont infirmé, c'est-à-dire quoi? Mais il faut renforcer ma capacité. Non, vous comprenez, Mambo, le pâté. Mais. Toutes les journalistes, la Sony, il y a des journalistes. Les cannabis, il y a des infirmiers dans ma tête. Dans le dispensaire. Je me suis dit, ça a fait problème. Bon, l'amborantin. Ah, nous avons des hein? Boyebi bino moko naza la commentaire ya kosala te ko finga ngai yebani pe ezoyokana na mato ya bato ba kongole bazala ba video o bazo finga ngai gratuitement sans que naza la tala likambo mo na moto naza moto na na bolembu mais naza na problème na bato te bato ba ko finga ngai lokola likambo susu pe ba finga ngai balemba te likambo bazo finga ngai ngape na vani na boy ko réagir na talaka mais atana ndako ya baba tv lobaka atana ndako ya baba tv golo Navandi kimia ko fingele ki 4 à 5 mois banda batu batie machine po ba finga elo bazo fingelanga nazako ebate na sali effort nenge bazako finga ngai ba sali effort a chaque fois ba finginga na zui vide. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission-ci. J'espère que vous avez aimé. Notre boulot à nous, c'est de vous faire plaisir d'être là. Je rappelle, nous parlerons d'autres choses. Je devais mettre normalement les images des Wenge parce qu'ils ont fait, ils ont trouvé quelqu'un qui va mettre en direct leurs vidéos, leurs concerts et tout. Mais Borbog et Netta, là, chez leur chargé de communication, nous, on n'est pas payé pour ça. On est juste des fans de Wenge, mais on parle aussi de l'information en tant que journaliste. Au moins, je ne sabote pas, mais je parle de ça. On va se quitter parce que le même 30 juin, il y aura un événement qui s'appelle Ces années-là, qui aura lieu à partir de 17h, Ces années-là au Château Pullman. Vous allez trouver ça aussi. Nous en parlerons en plus de détails la semaine prochaine. Après Dieu, c'est moi qui vous aime le plus. Bon dimanche à tous et à toutes. À très, très bientôt. On se retrouve au mois de juin pour les 4 dernières émissions du Chez Francis Show. Ciao, ciao. Ah ouais, au mic, sous les jabs, ok, de l'intelligence dans leurs bêtises pousses. Ah ouais, bien bien ou quoi? Ah ok, ok, Lex, pour un gros son, pour des jaloux, j'en fais. Tous les dimanches, aux alentours de 14h, retrouvez l'actualité de la semaine dans Chez Francis Show. 14h, 22h30, tous les dimanches sur Antenne A ou Canal Plus Afrique, chaîne 342. Retrouvez-moi, je vais vous résumer l'actualité de la semaine comme si vous la viviez vous-même. Merci. Sorti de mon cocon, 2x pour deux phrases à un cocon. Man, man.